problème, nous disponible, l'éprouver, pas de problème. Et Paul, dans le verset 2, Paul y entra selon sa coutume. Elle dit selon sa coutume, pas oublier, monsieur Abnotisio, il y a un capot de texte ça au bas haut. Puis on dit que Paul est entré selon coutume, il t'a observé le sabbat. Et nous parlons de que Paul n'a pas observé le sabbat. Nous parlons de qui travaille, qui t'est fait. Qui ça Paul a le fait, non, soi-disant, nous avons dit qu'il y a un Christ. Il y a un l'évangile. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats. Elle dit pendant trois sabbats, elle n'est pas entrée. Elle était pendant trois sabbats, frère, monsieur, mieux. Qui ça l'a le fait? Il discuta avec eux d'après les Écritures. Mais pourquoi la discuta avec eux d'après les Écritures? Puisque, soi-disant, le gué, la parole. Le verset 2, il dit, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Tenez bien, frère, monsieur, nous. On va l'expliquer ça bien. Paul entrait dans la synagogue, là, le jour à trois sabbats. C'est la coutume qui est réunie, et c'est la coutume qui est dans le sabbat, qui est allé à tout. Il est allé, dès qu'on coutume, il est allé. Pendant trois sabbats, l'entrée. Ça l'a fait, là, il discute avec M. Sayo sur les Écritures. Qui écrit tu ça? Qui ça, il t'a discuté? Eh bien, il t'a expliqué, monsieur, yo. Il t'a expliqué, yo. Il t'a établi avec yo que Jésus-Christ. Vous savez, n'est-ce pas les décrits, pas comme si Christ est mort pour lui. Vous savez, il y a des synagogues, oui, il y a pas chez, il n'y a pas qu'on baptême dans le nom de Jésus-Christ de fête, non? Il n'y a pas comme la dîme pas existe encore, il est sorti en bas pédagogue ça. Il n'y a pas comme que femme n'a pas de dire, j'ai prêché, non? Il n'y a pas comme bagaille ça, non? Il n'y a pas comme que femme n'a de voir les têtes, les qu'elle l'a assemblée, non? Il n'y a pas comme ça. Et il dit, il y a Christ. Alors, Paul, ça lui explique, monsieur, là. Il dit, il y a Christ, il y a des synagogues. Mais il n'y a pas comme si Jésus-Christ est mort pour vous. Que Jésus-Christ est souffri pour te ressusciter. Alors, Paul vient enseigner ça. Paul vient expliquer ça. Paul vient discuter avec vous. Et puis, il a expliqué, monsieur, yo. Hein? Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Ça voulait dire, frère Chemio. Qu'est-ce que ça voulait dire lorsque Paul dit, j'annonce que Jésus-Christ est le Christ. Quand, si je vous dis que j'annonce que Jésus-Christ est le Christ, ça voulait dire, Jésus-Christ est le Christ. Comment comprendre ça? Hein? Mado, ma petite question ça pour vous. Mado, l'idée pour l'expliquer. Ça voulait dire, Jésus-Christ est le Christ. Ça voulait dire. Que Paul a enseigné dans la synagogue que Jésus-Christ est le Christ. Est-ce pas comme ça, ça veut dire? Et franchement, si vous ne pouvez pas sauver, non? Mandez frère Jean, si vous ne pouvez pas. Ou bien, mandez aux gens qui possèdent la doctrine de Jésus-Christ. Si vous ne pouvez pas sauver, ça veut dire Jésus-Christ est le Christ, ou pas sauver. Et tout le monde qui est baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, par contre, ça veut dire que Jésus-Christ est le Christ. Mais Paul a le dit ça, non? Je vais quitter. Pour dimanche prochain, c'est une recherche. Nous voulons que nous travaillions aussi. Nous voulons que nous partagions et que nous fassions des recherches. Pour nous chercher, demander, essayer de comprendre qui ça veut dire que Jésus-Christ est le Christ. C'est très important. Voilà. Que Jésus-Christ est le Christ, c'est ça qu'il a enseigné. Le verset 4, mais ça le dit. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs. Craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Non seulement des hommes qui. Pas oublié. Moun qui parle, ce n'est pas moun qui pas de créatif pour mon Dieu. Ce n'est pas moun qui pas converti, frère, chum, yo. C'est moun qui t'a servi, mon Dieu, yo, t'es. Mais seulement côté, yo, yo, pas beau. Yo, pas qu'à sauver là. Baptême, yo, prend pas beau. Faut yon vin baptiser dans le nom de Jésus qui pour yo sauver. Nous pas dit pas que yo pas moun Christ. Nous pas dit que yo pas le bon Dieu. Mais si vous êtes dans le système, si vous ne pouvez pas changer, vous venez passer pour des hypocrites, vous venez passer pour des imposteurs, vous venez passer pour des comment on dit, des pasteurs, des zombies, des soldats de Satan. Parce que vous n'avez pas appliqué la parole. Mais Christ, on est là. Nous n'avons pas de problème avec vous. Et si vous êtes dans le système, vous avez péri. Alors, le texte dit dans le verset 4, une grande multitude, hommes et femmes, qui est créatif pour mon Dieu, ça y fait, il est persuadé et il vient jeune Paul avec Silas. Ça, c'est mon qui remet Christ. Parce que il y a ces vérités. Ce n'est pas mon qui a copé la caillou ou bien quelqu'un à côté pour dire, ah oui, c'est vérité, et puis mon à côté lié. Côté. Ça va faire. Ce n'est pas femme qui a dirigé ces vérités parce que elle a dirigé chaque matin, chaque après-midi. Et on connaît ces vérités. Et pourquoi on fait, on continue avec elle. Ce n'est pas femme ça. Mais ce sont des femmes qui font profession de servir Dieu. Dans 1 Timothée 2, le verset 9 dit ça. Qui font profession de servir Dieu.
ce sont ces femmes-là. Quand il y a de la parole, de la vérité, il y a de ça, la Bible dit, il y a une limite, il y a dit la Bible, bam, direction ça, c'est Wall, moi ça me joue Wall, la Bible, bam, non. Alors, même ça, il y a joué avec Paul et Silas. Mais est-ce que, frère, c'est une question pour vous, est-ce que si Paul t'a observé le sabbat, mais si groupe Mounsa, multitude, ça t'a quitté l'église, et si la gang, ça pour une jeune Paul et Silas, t'as dit, parce que monsieur a porté ça pour vous, il t'a observé le sabbat, oui. Si Paul t'a observé le sabbat, est-ce que Mounsa t'a sorti quitté? Non, le pas t'a sorti quitté. Si nous avons été de Christ, est-ce que Paul t'a sorti avec lui, parti avec lui? Non! Parce que côté il n'y a pas bon. Côté il n'y a pas bon, il est obligé de quitter. Côté quitter, il y a ça, il y a le Christ, puis il suit Paul. 100% évangélique, on peut appeler ça, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Allô? Allô? Oui, 100% évangélique, bon Dieu béni. Oui. Ma 100%, ma, bon, pas 100%, vous n'êtes pas vraiment à 100% avec. Parlez un peu plus fort pour nous, frère. Vous n'êtes pas toujours à 100% avec vous. Pardon? En pas vraiment à 100%, 100% de parce que vous... Vous m'avez entendu, non, frère, mais excusez, parlez un petit peu plus fort. Je pense que moi, pas vraiment à 100% avec tout ce dit. D'accord, pas de problème. Parce que, vous savez, dans 10 000 paroles, on dit, en peut-être 4 000 là dedans bon. Mais est-ce qu'on a un texte pour ta réfuter une samedi au fin? Parce que ça tape un peu plus sage okay. Et plus solide tous deux de votre part. N'a pas entré sous baptême non. Ok, sous baptême non. Ok, pour Bible. N'a pas Éphésiens, chapitre 4. Non, qui passage vous appelez? Éphésiens. Chapitre 4. Ok, d'accord. Ma pote dans Éphésiens chapitre 4 avant, vite fait frère moi. Les versets, n'a pas un seul verset parce qu'on n'a pas besoin, parce qu'il est après c'est fini. Ok, un seul verset, chapitre 4. Ah, c'est le verset 5. Verset 5. Qui dit, gagne un seul baptême, gagne un seul Seigneur, un seul foi. Exactement. Et pas ni toi encore. Exactement. Alors, ça dit, moi-même, Andou, est-ce que c'est normal que, parce que en Javouin, moi déjà, ouais, dans plusieurs religions, comme on n'était pas capable de parler, parce que on était capable de parler des sabbaticiens, tout à l'heure là, apôtre Paul, tout ça. Mais référence à Vlépon, à chaque fois, sabbat, yo, moun ki observe sabbat, à chaque fois, moun nan fait yon péché, yon rebaptisé. Est-ce que ça pas existé? Ça pas illégal. En fait, on parlait tout à l'heure avec une dame qui t'a parlé tout à l'heure, qui est baptême ni fait pas bon. Est-ce que nous avons le droit pour nous juger? Comment? Baptême ni fait là, pas bon. Est-ce que baptême ni fait pas bon? Bien. Eh bien, comme je vais répondre nous bien, frère, moi. Mais avant ma prendre Matthieu 24 là encore. Ça dépend comme il y a un faux Christ, bon vrai Christ, bon faux baptême, bon vrai baptême. Ça dépend de qui baptême on prend. Est-ce qu'elle est biblique? Est-ce que des gens qui fait son frère? Alors, pour mieux répondre avec Matthieu, Éphésiens 4, 5 là, bon seul baptême. Comment apôtre Pierre fait? Comment Paul fait? Comment Philippe fait à Samarie? Est-ce que c'est au nom du Père? Jean-Baptiste? Écoutez, oui. Baptiste. Écoutez, oui. Est-ce qu'elle fait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Allez. Pour me finir, frère, moi. Comme Philippe, on va au texte aussi. Mais qui nous, y'a moun qui a un pardon pour péché ou? Non, Jésus. Comment qui a un pardon pour péché ou? Je vais répondre avec question que je pose pour venir avec texte qu'on va me donner. Je vais lire Acte 2:38, chers téléspectateurs, ou vous regardez dans Acte 2:38 avec moi. Qui ça la parole de Dieu dit? Y'a moun qui croit en Jésus-Christ, vous voulez accepter. Qui s'en fait? Le verset 37. Il vit le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, quelle belle parole. Mon frère, que ferons-nous? Mon frère. Écoutez, frère, tant que je finis, ma bonne parole. Oui. Mon frère, que ferons-nous? Pierre répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous le pardonnez. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoutez bien, ma venez, frère. Ça veut dire que pour je ne pardon pour péché, chers téléspectateurs, si il mentit, serviteur qui a démenti, pour un texte mettre dans démenti, pour je ne pardon pour péché, il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour je ne sais pas si il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous, sans le nom de Jésus-Christ, pas de pardon pour péché, pas de cet esprit. Et si dans la Bible, il y a un texte qui confirme côté Yomoun, tu es baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, jusqu'à maintenant, depuis un bon texte, m'a quitté plateforme, pas je ne tourne là encore. Ou bien tout femme, comme vous parlez de Adventistes, si les Adventistes, ou bien les anciens des Adventistes, car les plus au bon côté, Jésus-Christ, t'es prescrit
le septième jour avec apôtre ou bien avec disciple comme un jour pour observer ou bien côté apôtre tu observer lui-même et les maintenant m'a quitté plateau et ne pas tourner sur plateau parce que nous sommes prophètes clair vous savez vous connaissez bien et... alors est-ce qu'on comprend bien avec on comprend bien personne Jésus-Christ mort pour qui ça c'est à cause de l'observer il paraît que c'est le sabbat parce pardon que... Parce qu'il pas observé le sabbat. Jésus-Christ mort parce qu'il pas observé le sabbat. Bien sûr, parce que il fait. Pas seulement ça, mon frère. Tout conflit orangé pour lui, c'est pas peut-être ça. Non, Jésus-Christ pas venu mourir parce qu'il pas observé guérison. Le sabbat. Il fait une guérison le jour du sabbat. Parce que il fait le jour du sabbat, mais il pas de jamais tuer parce qu'il peut corriger pour lui, mon frère. Les gens, toute procédure commence de là. Non, mon frère, écoutez bien, bah monsieur comme bagay. Jésus-Christ pas mourir à cause de sabbat. Seulement, il est mouru à cause des nègres qui soit disant dit observer le sabbat que Dieu c'est papa que Abraham c'est papa qui a pas appliqué la loi Moïse qui a observé le septième jour. D'accord. Parce que mon frère écoutez, parce que si Jésus-Christ est mouru à cause de sabbat, les yo que le jour du sabbat il faut traitement nous parlons texte là pour vous frère moi. Je tape tué les gens huit là. Je tape tout tué. Puisque c'est pas un bravo de quel pas mourir à cause de sabbat parce que l'elle peut courir il vient pour l'humanité c'est normal pour mourir m'a plutôt qui l'elle pral mourir qui l'elle te menace elle pour te tuer dans Jean 8 mon frère c'est Jean 9 de préférence Jean 9 le verset 15 à 16 mais ça le dit de nouveau les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvert la vie avec l'homme qu'elle te guérit juste sabbat. Et il leur dit, il appliqua de la boue. De la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Le verset 16, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne sert pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme péché peut-il faire de tels miracles? Et il y eut des divisions parmi eux, il dit encore, à la veille, toi qui dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Et chaque monde t'a dit au bagage, mais c'est le moment ça l'a été voulu pour tuer. Par exemple, dans Jean 8, là, sur lui, le verset à la fin, le monsieur dit que les Abraham étaient là, Abraham est lui. Alors, les Jésus, quand on dit, les Abraham est lui, ça, il y a des problèmes. Et moi déjà, il y a des problèmes. Pour Jésus-Christ dit Abraham Terrel, puisque il dit Jésus-Christ pas Dieu. Comment Abraham Terrel, Jésus-Christ. Alors c'est de même, frère moi. Si pour le témoin, il y a cause du sabbat, il t'a tué là. Mais puisque prophétie a classé à un certain temps pour le mourir, les apôtres corrivés. Ça fait chaque côté pour le tuer. Le texte a dit, les apôtres corrivés pour le mourir. Il n'est pas mouru à cause du sabbat. Il n'est pas observé sabbat. Il n'est pas bâillé sabbat comme un principe. Les mouri pour finir avec sabbat, septième jour mon yo a propose et a observer ya, les mouri il fin avec ça, li pa bay personne moun ça pour observer et personne adventiste pas ka prouver ça à travers la Bible. OK, ancien adventiste pas ka prouver. Yo pas ka monter à travers la Bible côté apôtre Paul ou apôtre Pierre observer le sabbat et là n'a monter ça. Sabbat pas pour l'église, la dîme pas pour l'église. Est-ce que vous comprenez, frère, moi? Alors, sur votre texte, vous démentissez ça, vous dites, démentissez. Plus, vous parlez plus que bon, ma réponse à Mando. Oh, bon, plus, tellement bonne réponse. Oui, mais parce que, oui, mais Mando pose une question, répondez-moi avec une réponse. Ou quand vous allez dire, ça va faire un peu de plus, regardez ça. Mais vous avez pour nous déjà, mon frère. Vous dites, bon, seul baptême, ça dépend de baptême. Un seul baptême, un seul baptême, d'accord, un seul baptême. Vous avez baptême, c'est acte de 38 qu'elle lit, mon frère. Exemple avec vous, exemple de Jésus-Christ, l'élite qui a baptisé par Jean-Baptiste. Mais t'es né un autre monde qui t'est parlé, qui sortit avec voix ça là, qui t'est parlé là, le baptême Jésus-Christ. Qui ça me dit avec voix ça, le baptême Jésus-Christ qui t'est parlé là? Baptême Jésus-Christ là. C'est ce qu'on appelle l'omniprésent de Dieu, mon frère. Par contre, tu arrives à connaître mon Dieu dans le niveau ça. Que Dieu a la capacité d'être partout à la fois. Alors, des gens qui pensent que le Jésus-Christ, les voix à parler, comme les témoins de Jéhovah, les adventistes, témoins de Jéhovah, c'est Dieu qui tourne en l'air, qui parle avec Jésus-Christ sur la terre. Mais, Mabdou, frère, si vous voulez comprendre ça bien, qui parle en l'air, c'est qui? Mabdou, deux textes, on va analyser parce que ça, c'est un peu plus menti. Lido, celui-ci est mon fils, bien-aimé. Pardon? C'est pas la menti. M'attendez bien. C'est un être suprême qui était en rôle.
Bon, être suprême qui t'a ou a? Oui, qui t'a parlé là. Et t'es bon être suprême en bas en même temps aussi? Non, pas non, que. C'est... Comme nous, on n'est pas de être suprême. Alors, t'es gagné ou non, t'es gagné ou non? Jésus-Christ, les deux conseils, Jésus-Christ en bas, c'est petit papa là. Ah, Jésus-Christ en bas, papa là-haut? Oui. Ok. Allez. Non, est-ce qu'on veut nous prendre rendez-vous pour l'étudier sur la Trinité, mon frère? Hein? Est-ce qu'on veut nous prendre rendez-vous pour l'étudier sur la Trinité? Oui, non, on va parler de ça. Bon, encore bon, petit bon raison qui a été parlé tout à l'heure là. Raison. Bon, petit bagaille. Ma bonne, deux textes. Minute, Patrick. Sous mesdames, yo, qui prennent l'église, yo, qui ne peuvent les accepter pour y mettre un voile dans la tête. Les bibliques, ça c'est normal. Même après des exemples, plusieurs églises allées envoient mon nom et voix sur tête. Même aller dans 60 églises allées en parlant ça. Est-ce que dirigeant l'église, vous parlez de la Bible ou pas comme ça? Parce que si vous êtes, c'est ton bagage qui fait sous l'Ancien Testament, en d'accord avec Jésus-Christ venu à abolir, mais c'est dans le Nouveau Testament l'écrit. Ça, d'accord, 100%, mon frère. Alors, c'est dans le Nouveau Testament, ça, son belle parole. Et c'est dans. Il pas loin, non, mon frère. C'est dans 2 Timothée ou Maïk, ça. Pas ça, non, Timothée 2, 1 Corinthiens 14, 2 verset 1. Après, il lui a expliqué qui j'aimais la mieux de aller à l'église aussi. Parce que pas. Ah, c'est pour voir, là, la parler. Oh, 1 Corinthiens 11, mon frère. Verset 6 jusqu'à 15. Bien. Yeah. Parce que lui a expliqué qui j'aimais de aller à l'église aussi. Exact. Pour y mettre, on l'a dessus, c'est pas bout de pantalon pour y vendre un morceau cher. Mais nous, ouais. 70%, non, mais nous, non, mais parce que nous pas de juger, c'est pas parce que moi-même d'habitude, moi-même dans l'église, c'est genre, moi ça m'est parce qu'on n'a pas qu'à garder. C'est vrai. On n'a pas aimé ça. On ne peut pas dire ça parce que pendant qu'on a gardé, on a fait 50 000 péchés. C'est vrai. Comment on a fait Dieu là? Alors moi, on n'a pas qu'à faire. Vous, peut-être, vous n'avez pas qu'à faire parce qu'on n'a pas gardé parce que là, on toujours aller comme observateur, c'est garder ou regarder qui s'est fait pour vous, mais moi, on n'a pas qu'à faire. C'est pas droit. Et comme moi-même, je m'étais en garde aussi parce que la Bible dit, me fait pas juger trop. Vous pouvez faire. Comment dit? La Bible dit quoi? Pour pas juger. Non, écoutez, bon, petite explication vite fait. Matthieu 7, le verset 1er dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Oui, mais qui est-ce pour pas juger? Enfin, qui est-ce pour pas juger? Comment vous pouvez juger au monde? Attends, laissez-moi vous dire que... À la suite, Jésus-Christ dit, là. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et Jean 7, le verset 24, lui dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alors, si vous ne passez pas la justice, mon frère, si vous ne mettez pas faux cheveux, on connaît la Bible dit faux cheveux, pas la dent, et bien, je juge. La Bible dit, je juge. Pas vrai, frère? Ah, d'accord. Où est le devoir, n'est pas vrai? Oui. Qui ça faut qu'on ait le devoir? C'est la justice. C'est parce que la loi a mangé. Et c'est ça qu'il faut dire, le devoir. Mais ça, la loi biblique, oui. Mais est-ce que. Exactement, ça veut dire la loi juge, non pas juge. Mais oui. Mais par contre, est-ce que. Même si. Moun nan, li ou vèl pa voile. Mais, il faut une façon pour même observer, parce que l'apôtre Paul dit ça, fais nous pas des calicamans, dit, madame, on pas mettre voile sur les deux. Mais bonne façon pour dire. Et souffert le texte, parce que regardez ça, mon descend Marigo, c'était dans ce maintenant. Oui. Dans une boutique, m'a l'acheté. Là, arrivé, madame qui est entrée, vip. Là, l'entrée, on dit, m'explique, l'on dit, lui, consacré. Mais quand on dit, qui sait pas l'église, tout le monde sanctifié, l'on dit qu'il sait que je vais faire. L'on veut l'église, je vais mettre un voile dans la tête, un chapeau dans la tête. Et non, moi-même, il y a un pas un gros képi dans l'église à bon Dieu là. Parce que pas grand enseignant, pas grand pasteur, pas grand leader, oui, devant eux. Alors, la Bible même dit, les pavles, parce que si bout de cheveux non ni là, pas besoin de ceux qui ont cheveux blancs, moi j'ai plusieurs cheveux blancs, vous voyez Patrick, mais j'ai cheveux blancs. Mais à deux sont bénédictions. Est-ce qu'on comprend ça? Je comprends. Alors, bon Dieu, c'est gloire, bon Dieu. Alors, si on veut, ce n'est pas avec képi là. L'entrée dans l'église, dans le grand service, où on a un bête carrément, le père avec képi, et puis l'été. Moi, personnellement, si on était soi-disant chef, on dit, mais si on délégué dans l'église, ah ben, on était capable, pas même observer, c'est-à-dire par rapport à assister ce service-là, sans qu'on parle de chapeau là. Parce que c'est au déshonoré, bon Dieu. Est-ce qu'on comprend? Alors, et c'est pour ça, nous-mêmes dans l'église maintenant, en impression, vous qui êtes à la radio, qui êtes à la télé, les plus faits ont sorte d'études, au lieu de faire ont besoin de, comme si, de la religion, entrer plus à, c'est-à-dire à faire l'éducation avec les gens qui sont dans l'église, si maman,
papa yo les montrer nous assembler comment yo doit comporter yo en répression travail ça c'est travail qui vous au classique pour faire ça laissez parce que l'autre monde souligne d'accord continuez à bailler la parole même si on pas d'accord ça qui bon yo messie pour la prochaine d'accord que bon Dieu béni vous bye mon frère d'accord ça va OK bon Dieu béni vous et qu'on a dit téléspectateurs ça que frère monsieur dit ça pour montrer que pas gagne un leader pas grand monde qui a gagné pas grand parce que d'adou son troupeau qui pas gagne mettre qui s'en banne dit à son banne tout qui s'en mettre pas grand monde qui a géré tout pour venir dans le vle et quand Christ c'est pas comme ça c'est peut-être ça lui placer des hommes des pasteurs et pour la tête l'église là pour vraiment instruire les bio pour instruire monde qui réunir parce que monde pas qu'à réunir pour pas enseigner yo pour enseigner faire connait qui ça Christ mandé comment Christ m'a dit pour vivre. Comme nous t'avons dit dans acte 17, acte chapitre 17, verset 4, nous t'avons dit que Paul finit d'expliquer ça. Il dit que okay, Jésus c'est lui qui Christ là. Dans une multitude de hommes et femmes grecs qui croient et qui jeûnent avec Paul. Dans le verset 5, vous pouvez regarder qui s'est passé. Mais les Juifs, jaloux, prient avec eux quelques méchants hommes de la populace. A dit, moun qui pas converti. Hein? Provoquaient des attroupements. Et répandit l'agitation de la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Le peuple a dévoué Missé, Finat Missé. Et pendant ce temps, dans la synagogue, si la l'observe le sabbat, pourquoi vous le tuer? Je pense que si la l'observe le sabbat, il n'y a pas de problème avec elle. Et là, il y a la yodèle. Dans le verset 6, il dit ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. En criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Et le verset 7, il dit, ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Il n'y a pas même quoi dans Jésus-Christ. Le verset 8, il dit, par ces paroles, ils émus la foule et les magistrats. Le verset 9, il dit, qu'ils ne laissaient aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'une caution. Le verset 10 lui dit, aussitôt les frères firent partie de lui, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils firent arriver, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ils entraient dans leur synagogue. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Ils avaient dit, il y a des gens qui attendent de la parole, qui sont mauvais, qui veulent tuer. Mais il y a des gens qui veulent vérité, il y a des gens qui veulent Christ. Parce que Christ n'est pas prêté ou non, dans un genre de synagogue ça. Et il y a des gens qui Christ, depuis le temps des paroles vérité, à côté, ils sautent même côté à l'école. Après, texte a dit qu'il y a des sentiments plus nobles hein, que ceux de Thessalonique. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement, avec contentement de reçu la vérité. Et il examinait chaque jour les Écritures. C'est ça qu'il demandait pour nous faire. Ce n'est pas jouer, ni des problèmes avec, ni raïm, ni pas d'accord avec, mais c'est examiner les Écritures. Prends texte que m'baille et examiner. Pour voir si ce qu'on le disait était exact. Alors, si vous voulez voir ça, me dire si c'est exact. C'est Bible pour examiner les Écritures. Alors, la parole de Dieu continue pour dire, puisque le peuple ça qui accepte la parole, hein, il a accepté la parole là, il était de plus empressement, eh bien, dès que il finit de recevoir la parole là, ça vous fait, il a examiné pour voir est-ce qu'elle est bon, est-ce qu'elle est vérité, est-ce que sa parole dit c'est vrai. Il y a des gens qui ne disent pas, mais examiner ça, frère Patrick, est-ce que c'est vrai. Mais on dit, il y a des problèmes à frère Patrick. Non, il faut examiner la parole. On dit, par exemple, baptême de fait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, à travers la Bible, qui est-ce qui t'est baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Côté le cité, côté l'enregistré, nulle part. L'église prend naissance le jour de la Pentecôte, qui premier baptême qui fait? Dans qui nom le fait? Est-ce que c'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Non. Alors c'est ça que nous avons enseigné. Et dans le verset 12, dans acte 17, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques, de distinction et beaucoup d'hommes. Mais, le verset 13, quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent et agiter la foule. Alors, les auteurs de Paul, quitte la synagogue, ça l'entraînant notre synagogue. Là, il y a un problème, ils ont parti de la musée, côté lié, puis ils ont un problème. Mais le seul problème, c'est que les gens qui étaient à Bérée, ils étaient vraiment tant de paroles avec un pile empressement, ils étaient acceptés, et puis des choses qui sont propres et qui sont belles, qui montrent que nous n'aurons mais Christ. C'est ça que demande chaque monde qui a regardé nous là. Des choses qui sont propres, qui sont belles pour faire sourire mais Christ. Oui.
pour Bible examiner la parole, pour est-ce que ça fait partie que fait Jabia exact. Et puis si vous exact, observez. Si vous pas exact, pas observez. Si vous qui dit que ça veut dire bon exact, alors normalement, observez ça veut dire. Mais s'il pas exact, vous croyez devant vous, sans faire devant femme cap dirigeant, sans faire dans la dîme, sans faire dans le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, sans faire dans le chant enterrement, sans faire dans la dîme. Puisqu'on connaît la parole dit, parler contre ça. Alors, pour finir, on prend dans le verset 16, comme Paul les attendait à Athènes, Paul, pour me faire plus court, Paul continuait. Dans le verset 17 là, ils entretenaient donc de la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Dieu et sur les places publiques chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Enfin, ceux qu'ils rencontraient. Paul continuait à parler. L'entrée dans la synagogue, il a parlé pour faire connaître qui est-ce que Jésus-Christ est. Des gens qui peuvent comprendre qui c'est Jésus-Christ est. Qui est-ce qui Jésus-Christ a. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bonne semaine et remets-nous dans le Seigneur. Bon courage, l'heure a déjà trop passé. Nous remets dans le Seigneur. Bon courage, aidez-nous dans la prière. Bye bye, bonne semaine. Cet artiste a commencé sa carrière de solo. Alléluia! Pour qui on va la guerre, non mais le Seigneur quitte. Pasteur Bacafabou. Pour qui on va la guerre, non mais le Seigneur quitte. Fais salver avec vous. La guerre problème yo, non mais le Seigneur quitte, fais ça. Demi bon Dieu pas bon souffle, chantez-vous les la guerre problème. La guerre problème yo, non mais le Seigneur quitte, fais salver avec vous. La guerre problème yo. Couvri par le sang de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ça qui fait pour nous finir. Pour nous finir, pour nous pouvoir que tout le monde l'a couvri par le sang de Jésus. Parce que l'homme d'Haïti, c'est le sang de Jésus qui fait me tourner. Et ça qui fait nous pral dire tout bagaille déjà bien. Non, pas battement, pas battement. Tout bagaille déjà bien. Pour qui ça? Parce que Jésus chita sous trois noms, tout bagaille déjà bien, tout bagaille déjà bien, tout bagaille déjà bien. Moi pas crier encore, moi pas crier encore. Dis pas crier à soi non, moi pas crier encore. Dis pour qui ça? Parce que Jésus chita sous trois noms. Moi pas crier encore, moi pas crier encore, moi pas crier. Gardez-moi le sucre, dis-moi pas plein encore, moi pas plein encore. Gardez-le, dis ça. Moi pas plein encore. Dis-moi pour qui ça? Parce que Jésus chita sous toi, non. Moi pas plein encore, moi pas plein encore. Moi pas plein encore. Maladie m'y guéri. Maladie m'y guéri. Au nom de Jésus. Maladie m'y guéri. Dis pour qui ça? Parce que Jésus chita sous toi non. Maladie m'y guéri. Maladie m'y guéri. Maladie m'y guéri.
Comme nous connaissons, le festival a plusieurs objectifs. Et un objectif, c'est faire découvrir